Hello! Bienvenue au vlog! Fait qu'aujourd'hui, on est vendredi, là on est déjà l'après-midi, j'ai eu une matinée très chargée. Un gros clean-up de l'appartement, fait que balayeuse, mop, j'ai ramassé un peu partout. J'ai ramassé aussi mes bagages, puis je vous reparle de ça après. Organisation, ménage, après ça, je me suis mise sur la création de contenu, ramasser ces choses-là aussi, et là, ben, j'ai pas mal fini mes tâches principales qui étaient sur ma liste. Là, il va juste rester des petits trucs random que je vais pouvoir faire. Puis c'est ça, parlant de bagages, ben, dans le fond, je reviens d'un workation. Une petite vacance, mais en même temps, travail à Québec. Fait qu'avec toute l'équipe marketing de mon travail, on est allé dans un mini chalet. C'était tellement cute, tellement beau. Puis on a fait un genre de 2 jours de brainstorm. Donc on a tout planifié les prochains mois, les projets à venir. C'était vraiment, vraiment cool. En plus, comme je fais du télétravail, je les avais jamais vus en vrai. Fait que là, c'était fun de se voir en vrai. On s'est fait des full bons soupers. Et on a créé tellement de beaux contenus, là. C'était vraiment, vraiment cool. Mon travail cette semaine, il a comme pas vraiment compté comme du travail. C'était vraiment, vraiment le fun. Et là, j'ai un beau week-end aussi qui s'en vient. Aujourd'hui, c'était comme ma journée reset, mais j'en ai profité quand même pour faire un peu de contenu aussi, ce que j'adore faire. Demain, je m'en vais avec mon amie Sophie dans un champ de fleurs. On va cueillir des fleurs, on va prendre des belles photos, ça va être full le fun. Dimanche, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais probablement aller voir mes parents. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai un maquillage, ma foi, magnifique. Je vais pas me lancer des fleurs, mais comme je le trouve vraiment beau. J'ai testé 3 nouveaux produits, un nouveau cache-cerne, une nouvelle palette pour les yeux, puis sur les 4 parce que j'ai 2 trucs sur mes lèvres, un crayon puis un rouge à lèvres. Et je suis agréablement surprise et je trouve le look vraiment beau. Puis je viens juste de filmer aussi un try-on de H&M. J'ai fait une full grosse commande, presque tout me fait. Et genre c'est vraiment beau, là j'ai des beaux basics, j'ai un affaire comme plus funky. Mais vraiment des choses que je vais pouvoir porter full à l'automne puis à l'hiver. Fait que je vais vous poster ça sur TikTok. Je jase, on dirait que j'ai plein d'affaires à vous updater. Mais je pense que c'est pas mal ça là, pour mes updates. Fait que je vais ramasser mon linge que je garde. Je peux vous le montrer rapidement puis après ça je vais tout ranger. C'est parti! Choses et j'ai remis par-dessus parce que je trouvais trop laid. J'ai fait mes ongles, fait que j'ai pris la couleur Watermelon de Gel Care. Je trouve c'est full beau. C'est comme un rose mais qui a un peu de rouge. Je trouvais que c'était parfait pour la fin de l'été. Fait que voilà, là ça a l'air un peu fou parce que mes yeux sont d'un rose, mon chandail est d'un rose, les ongles sont d'un rose. Mais bref, j'ai trop cute. J'ai tout préparé mon souper, là je l'ai mangé. Fait que je vous montre, j'ai fait un risotto aux champignons. J'ai déjà fait cette recette-là, c'est full bon, full facile. Puis je me suis fait une petite salade pour manger un peu de légumes quand même. Juste la salade. Puis la vinaigrette, c'est balsamique au basilic de panache. Comfort food, mais avec une petite dose de légumes. Il nous reste juste le rouge à lèvres. Et pour quelque chose qui tient, je vous conseille un rouge à lèvres liquide. Les chaînes lard de NYX sont super bons. J'ai terminé mon maquillage et j'ai fait un maquillage full longue tenue. Donc on va faire un wear test aujourd'hui. Hello, hello! On est samedi matin. Je viens de finir mon maquillage. J'ai filmé un TikTok où est-ce que je fais un maquillage full longue tenue, genre résistant à la chaleur. Fait que là, pendant la journée, je vais faire des updates de comment ça tient. Puis là, il est 9h, fait qu'en espérant que ça va tenir comme un bon 12h. Mais j'ai confiance, là. J'ai donné mes meilleurs conseils puis je les ai appliqués, donc ça devrait bien tenir. Puis en même temps, je trouve vraiment super beau. C'est mes belles teintes, là, un peu plus chaleureuses d'automne. En plus, j'ai utilisé mes produits de Rem Beauty. Il y en a un que j'avais pas essayé encore, puis je suis en amour de ce que j'ai sur mes yeux. Fait que là, c'est bien beau avoir un beau make-up, mais mes cheveux sont dégueulasses. Ils ont l'air cute à cause du bandeau, là, mais ils sont comme à moitié plus frisés de hier. Fait que je vais faire un beau petit quelque chose avec ça. Puis comme je vous avais mentionné, aujourd'hui, mon ami et moi, on s'en va cueillir des fleurs dans un champ. Puis c'est pour ça que j'ai mis cette robe-là. Je fais la montre dans le miroir. C'est cette robe-là de Mims. Je pense que ça va tellement faire des belles photos. C'est vraiment pour ça que je l'ai mis.
trouve ça va être full romantique. Avec mon petit bouquet de fleurs, ça va être full cute. Puis pour fitter dans le thème un peu romantique, je pense que je vais refriser mes cheveux aujourd'hui. Voilà, j'y trouve full beau. Puis j'ai essayé un nouveau produit, je vais vous montrer. C'est de Mashup, puis c'est le spray brillance numéro 47. J'ai mis ça après avoir tout fait mes cheveux, à la place de mettre une huile que je mets d'habitude dans les pointes pour donner de la brillance et de l'hydratation. J'ai juste vaporisé ça comme d'ici jusqu'en bas, mettons. Puis ça l'a tellement donné de brillance, ça l'a enlevé toutes les frisottis, ça l'a full lissé mes cheveux. En plus, ça sent genre les bonbons. Ça sent vraiment, vraiment bon. J'aime bien, je trouve que ça a vraiment fait un beau résultat. J'ai hâte de voir si ça va comme alourdir mes cheveux, tu sais, mettons, si ça va les rendre sales, vu que c'est comme, j'imagine, une espèce d'huile en spray. À voir, mais en tout cas, là, je suis très impressionnée, puis je l'aime vraiment beaucoup. Mon amie Sophie est là! Allô! Je l'ai maquillée avant qu'on y aille. On lui fait un petit maquillage dans les teintes de rose pour fêter avec sa robe. On est prête! Yeah! Oh mon dieu, t'es tellement bronzée! Ça a la blanche comme un drap! J'ai fait un petit maquillage à sa fille full léger, glowy, rosé. Trop belle. Beau, comme d'habitude, toujours beau. Ok, changement de plan, notre horaire. On a voulu mettre du gaz, ça a été extrêmement compliqué. Ouais, on avait trois stations. Et là, on voulait manger, on voulait aller au Starbucks, mais là, on avait faim. Là, on voulait aller au Exki, finalement. On est chez Cora, fait qu'on va aller manger. Yeah! Se passer là, j'ai trouvé le sucre à la crème Cora. Je pensais qu'il en faisait plus. Je suis vraiment contente. Tantôt quand on disait on va aller chez Cora, Sophie me dit oh mon dieu, quand j'étais jeune il y avait du sucre à la crème. Puis là en sortant, il y avait le sucre à la crème. Il goûte comme dans mes souvenirs. Wow. Malade. Là, on reprend la route. On s'en va au Beaupré Ferme Florale à Saint-Anicet qui est à 50 minutes d'ici. Fait qu'un petit 50 minutes de route dans la campagne! Oui. On est arrivé! C'est trop c'est cute! C'est vraiment cute! On vous montre! C'est tellement cute! Là, on est devant les dahlias! Je vous montre, il y a 350 variétés qu'il y a dit! C'est fou! C'est vraiment beau! Checker ça! Il y en a tellement! Là, on a nos seaux! Nos sécateurs. Nos, j'allais dire notre couteau, c'est superbe. Notre sécateur, puis là, on coupe, puis ça coûte tant de la tige ouais. Ou des bonnes doses. Puis on n'a pas de limite. C'est vrai parce que les dahlias, d'habitude, au début. On a des limites. Ouais. Ouais. Mais là, il n'y a pas de limite. Yay! Belle photo, je vais vous les mettre dans l'écran. Mais il fait très chaud. Ouf, oui. Je me vois, je pense que j'ai la couette dans le front. On va aller manger un popsicle parce que, ouf. Ouais. C'était pas le mood, là, la robe de même en lin, là. Il fait chaud. Ouais. On va aller se rafraîchir avec un popsicle. Ok, la caméra est tout proche, mais comme on n'a pas le choix de mettre nos fleurs dans nos mains parce qu'on n'a pas de peau, fait que c'est ça qui va être ça. Puis là, on mange un popsicle. Citron basilic. Très bon. Oui, mais j'ai pas le temps encore. Je vous jure, il fait tellement chaud. Faut manger vite parce que sinon on va perdre notre popsicle. Oh non, tout est illégal là, les abeilles. Surprise! On est rendu au promenade. On va faire un petit arrêt shopping. Et toi, tu voulais aller? Zara. Zara, elle avait un petit cabinet en rose, fait qu'on va aller voir ça. On veut sentir le nouveau parfum idole de Lancôme qui est au popcorn. Popcorn, oh my god. Ça nous a interpellés. Ça nous parle ça. Puis on va aller faire un tour au Sephora avec le temps qui nous va nous rester. Mais il est 4h, ça ferme à 5. Fait que. On va se dépêcher. Parce que oui, let's go! On a trouvé un cardigan pour Sophie. Check it out! Il est trop beau à l'essayer. Ouais, il est vraiment beau. Je suis contente. On a trouvé le Lancôme. Je m'attendais pas à ça comme odeur. Je m'attendais à plus sucré. C'est très floral. Il est où le popcorn? Je sais pas. Il est très très loin. On est revenu de notre aventure. Là, on a amené ce pot-là dans le tour pour traîner les fleurs, mais là, je vais les comme reséparer parce qu'on a mis nos deux bouquets ensemble. J'ai un petit peu l'angoisse qu'il y ait des bébites dedans. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des belles fleurs? Fait que là, je vais essayer de trouver un deuxième vase. Ah, j'ai mon petit vase qu'ils m'ont donné l'autre fois. Ma mère m'a envoyé des fleurs puis m'a donné ça, mais
ça serait beau. Ouais, mais je sais pas si ça va être trop petit. Fait qu'on va évaluer, mais j'ai ça. Sinon, on va essayer de fouiller dans ce bordel de choses-là. Ok, fait que sinon, on a lui. On va voir qu'est-ce qui se donne. Bon, là, faut décider quelle fleur on met dans quel vase. Ça, c'est nos trois choix. Quelle, eux, t'es aimes dans lui? Ouais. Ok, tu veux dans lui? Ouais. Ok, on essaye. On essaye ça. Je vais essayer de pas faire des gars. Tite. Non. J'aime mieux l'autre. Tellement laid. Ok, on va dans l'autre. Mais ça aussi, c'est limite, mais comme vu que je les ai pris vraiment chunky, ça fonctionne ouais, parce que je veux pas les faire tomber, genre. Ah oh, oui! Oh, c'est donc bien beau, check ça! Wow! Ah, j'ai tellement aimé ça comme activité, je vous le recommande. C'est cute! Oh, j'aime ça! Checky, c'est full cute! On aime. C'est vraiment belle. On avait deux bouquets de 10 tiges, puis on a acheté deux popsicles ouais. Fancy. Ça m'a coûté 38. Oui. Fait que, tu sais, pour une activité entre amis, ça même, vaut le prix. C'est quand même très nice. Ouais. Hein? Ouais. On va les couper un peu parce que ceux-là sont un petit peu longs, peut-être même elles un peu. Ouais. Ok, on les a coupés, ça fait cute, mais là, lui, il a un petit peu de fouette, là. Il est un petit peu trop long. Oh mon dieu, c'est genre de la salade tout le long, hein. Ah, ça sent bon par contre. Non, mais tu prends ça à deux. Très beau. Yeah, on va le placer. Je pense que je vais le mettre ici. Ah ouais. Très beau. C'est cool, cute. Tadam! Ça, c'est Sophie qui a tout choisi les couleurs. Je suis fan. Je pense que j'aime plus son choix de couleurs que le mien. Je trouve que l'agencement fonctionne. Ok, là, on va vivre une aventure ensemble. Quand je suis allée au Trader Joe's, j'ai acheté ça qui s'appelle Simply Eggless, qui est comme un œuf à base de plantes. Fait que c'est comme pour faire des omelettes ou pour cuire ou. Je sais pas trop, mais vegan, j'ai jamais acheté un produit comme ça. Mais quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh my god, je vais l'essayer. Fait que là, bref, aujourd'hui, c'est le jour que je vais l'essayer, puis j'ai envie de me faire une omelette. Là, jugez pas mes skills de cuisine de omelette, parce que je suis même pas sûre j'en ai déjà fait une tout seule. Puis si j'en ai déjà fait une, ça fait beaucoup trop longtemps. Fait que je vais y aller comme je le sens, écoutez, puis on va voir ça. Poivron, vieille courgette, persil, oignon. Chili garlic. J'ai ce genre de fond fromage de vin qui a l'air dégueu, mais que fondu, il est bon. Est-ce tout? Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir acheter une recette, honnêtement. Je suis vraiment confuse. Je vous reviens. C'est exactement ce que j'avais besoin. Je suis allée sur leur site, puis ils ont une recette d'omelette. Fait que ça dit de bien mélanger. Oh non, là, je suis rendue des... Ils disent de bien brasser, de chauffer le poêle à médium pendant 5 minutes, verser ton truc, puis le cuire, puis après ça, acheter tes ingrédients, puis le tourner. On teste. Let's go. J'ai coupé mes légumes en petits, puis là, je fais cuire mes oignons. Ils disaient pas de faire que les légumes avant, mais moi, les oignons pas assez cuits, ça me donne mal au ventre. Fait que je vais faire que juste un petit peu mes légumes, vu que j'ai l'impression qu'ils cuiront pas vraiment dans l'omelette comme une omelette normale. Et mes autres sont là. Fait que j'ai poivron, courgette, j'ai coupé un peu de persil, puis j'ai mon petit fromage, faux fromage ici. Puis en même temps, ben, mon rond, il va être chaud pour que je puisse verser mon omelette comme ça disait dans les instructions. That's it. Tu sais, les légumes vont être encore croustillants, mais ils seront pas mous. Prochaine étape. C'est vraiment pour les choses en masse. Ça dit juste de shake. Puis de le verser, mais ça dit pas combien. Ça dit qu'il y a 7 portions là-dedans, mais écoutez, on y va. Ça durcit. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'épices italiennes, parce que je sais pas à quel point c'est assaisonné maintenant. Oh! Ok, ça durcit. Je vais vous montrer. Oh! J'ai un sel qui goûte le soufre. Je sais pas comment ça colle. Oh! Ok, oui, on est rendu à tourner. On met les légumes, que j'en ai beaucoup trop. Mon petit persil, puis mon petit faux fromage. Et plus de toppings que d'omelette. On tourne, parce que là, ça s'en vient pas mal pige, pas mal sûr. Oh mon dieu, comment je vais tourner ça sans tout faire foirer? Je vais perdre tous mes toppings. C'est super. 1, 2, 3. Wouh! Oh non, il n'y a rien qui a collé. Oh mon dieu. La base, c'est comme trop liquide. Fait que quand je le mets, ah, c'est full vite, parce que j'ai pas le temps comme ça reste épaisse. Ça a besoin de cuire un peu plus, mais là, c'est que les légumes sont collés. Ça se tient pas bien, bien là. Ok, super. Bon, concept de projet, ça va être une omelette. Ça va être des œufs brouillés maintenant. Oh mon dieu, on dirait une vieille crêpe molle. Ok, on verse ça là.
On va s'avouer que si tu sais pas ce que je suis en train de manger, ça fait un peu pitié. Oh, goûte. Honnêtement, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ok, c'est intéressant. C'est comme un peu mou, genre. Ok. Je vois la petite texture, genre un peu smouche-mouche, là, tu sais, quand tu manges des œufs, puis c'est genre mou. Le goût, ben là, c'est sûr que je l'ai full assaisonné, fait que ça goûte bon. Il y a un petit fond. Enfin, j'ai lu que c'est fait avec des protéines de pois. Puis il y a un petit fond de protéines de pois, comme à la fin, c'est un peu poudreux. Mais genre, c'est bon. Vraiment bon. Je trouve que c'est bon, c'est comme une belle gâterie. Je m'achèterais pas ça toutes les semaines parce que c'est cher, puis c'est comme vraiment pas nécessaire. Tu sais, je peux faire quelque chose de similaire, puis full bon avec du tofu, qui va être aussi sûrement plus santé et nutritif, surtout, là. Mais c'est un oui! Bon matin! Je vais me maquiller dans le noir pour pas que mon miroir vous gosse dans l'éclairage. Fait que aujourd'hui, c'est dimanche, mon chum il travaille. J'ai pas vraiment de plan en particulier. Il faut que je fasse l'épicerie. Faudrait que je lave ma cuisine. Puis oui, je vais peut-être aller chez mon père en après-midi. Faire mon petit tour vu que la semaine passée, je suis allée vraiment rapidement. Sinon, ben peut-être un peu de montage, là, choses comme ça. J'allais dire, je vais prendre ça plus relax, mais en fait, non, j'ai plein de commissions à faire, plein d'affaires à faire. Fait que, comment faudrait que j'aille au Canada Tire, faudrait que je fasse une couple de commissions. En tout cas, bref, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, j'ai tout tondu mes cheveux pendant que je parlais FaceTime avec ma mère puis ma grand-mère. J'ai utilisé mon fer comme ça de Addicted to Beauty. Que je trouve ça fait full beau. Quand j'ai les cheveux sales, ben, ça fait tout le temps beau, je veux dire, mais comme, je trouve que ça cache bien le fait que j'ai les cheveux sales, ça donne full de volume. J'aime vraiment ça. Fait que là, j'ai fait ça dans mes cheveux. Puis là, je vais me maquiller. Hey, je me maquille. Puis je vais pas filmer, c'est vraiment rare que je fais ça. Sauf que j'ai tellement de TikTok d'avance. Là, j'ai genre 15-20 TikTok de filmer d'avance. Même sur Instagram, j'ai full le contenu d'avance. Puis en plus, là, mon sel est plein. Ma mémoire de mon sel est pleine. Puis j'ai juste un foutu 64 Go et mon contrat est fini en mars. Donc soit que je paye la balance puis je vais me chercher un nouveau sel, ou soit je l'endure, mais comme là, faut tout le temps que je délite des trucs ou des applications parce qu'il est tout le temps plein. Puis mes brouillons sur TikTok, ça prend full de place. Fait que là, je peux pas vraiment filmer d'autres TikTok tant que j'en ai pas posté une coupe parce que sinon ma mémoire est trop pleine. Bon, c'était peut-être pas intéressant, mais regarde, je vous le partage. Fait que là, ici, j'ai ma trousse où est-ce que je mets tous mes nouveaux produits qu'il faudrait que je teste bientôt. C'est nouveau que je me suis dans une trousse, sinon ça traînait trop. Je vais checker un peu qu'est-ce que j'ai envie de tester. J'ai eu des trucs Jeffree Star. Mon petit meeting de travail, fait que je vais peut-être essayer quelque chose là-dedans, genre rouge à lèvres. Ah, je vais retester le cachet de Milk aujourd'hui, ça c'est sûr. Je pourrais me faire un petit eyeliner ou... Oh, ça va, j'ai ça aussi. My God, j'ai trop de choses à tester. Je pourrais faire un graphic liner genre vert, ça pourrait être intéressant. Tu sais, j'ai cette petite palette-là que je pourrais me faire un eyeliner. C'est vert, ça pourrait peut-être être cute. Les seules nouveautés que je vais tester, ça va être ça, mais... Je vais voir que ça me tente d'utiliser d'autres dans ma collection. Puis j'ai aussi testé cette crème solaire-là parce que pour ma série de TikTok, j'aime ça les tester une couple de fois avant de faire comme mon impression. Ça, c'est des Vichy Capital Soleil UV MA 60. Lotion UV touché sec anti-brillance. Perlite absorbante. Oh my god, ok, ça s'absorbe bien. J'aime tellement l'odeur de la crème solaire. Je sais qu'il y a tellement de monde qui déteste ça. Mais moi, j'aime tellement ça. Je pense parce que ça me rappelle l'été, les vacances. Puis j'aime full ça. Malaise, ça roule. Comment ça, ça roule? J'ai mis ma crème de Omi en dessous. Peut-être qu'il y a genre des ingrédients qui vont pas ensemble. Dedans, je le serai avec une autre crème. C'est sûr, j'en ai mis épais en même temps, comme une crème solaire. Faut que t'en mettes épais, là. Bon, c'est un petit peu un fail. Peut-être que par-dessus une crème matifiante, justement, ça fonctionnerait bien. Mais là, vu que j'ai mis une crème quand même assez hydratante, il y a quelque chose qui va pas ensemble. J'aime le tube, par contre. Je le trouve cute. Pour mon teint, j'ai vu quelque chose de léger. Je pense que je vais y aller avec mon Elf Halo Glow parce que, étonnamment, depuis que j'ai le Maybelline, j'utilise plus mon Charlotte Flawless Filter. Puis ça, je l'ai pas le temps d'utiliser. Là, c'est là que ça va soit se mettre à rouler à fond ou soit que ça va être correct. On espère que c'est la deuxième option qui va arriver. Ah, ok, ouf, ça roule pas. Tout va bien. C'est tellement un beau glow. Pour le fond de teint, je vais y aller avec mon Smashbox que j'aime full, mais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé. C'est plus une bébé crème en film. Je suis curieuse de savoir, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous maquillez tous les jours? En fait, combien de fois par semaine est-ce que vous vous maquillez? Comment est-ce que c'est tous les jours? C'est genre 5 jours par semaine, juste la semaine, juste la fin de semaine? Je suis vraiment curieuse. Parce que moi, je me maquille vraiment pas tous les jours, là, surtout quand je travaille de la maison puis que je filme pas du contenu. Souvent, je me maquille pas, mais...
en même temps, je trouve que quand je me maquille, je suis comme plus productive parce qu'on dirait que ça me réveille ou que ça me fait juste plus me mettre dans une routine puis que là, je sais qu'après te maquiller, ben, faut que je travaille. Fait qu'on dirait que je suis comme plus motivée. Je sais pas, je suis comme plus réveillée, je m'endors moins. Fait que j'ai quand même tendance à me maquiller souvent puis ben, bien sûr, évidemment. Hein. Des fois, je me maquille parce qu'il faut que je filme du contenu puis il faut que je filme des trucs. Mais aussi, je trouve ça tellement fun de me maquiller. Je trouve ça relaxant. Est-ce belle cette bébé crème là? On va réessayer les cachants de Milk, mais là, l'autre jour j'avais mis 3N en dessous de mes yeux qui était comme plus pâle, puis moi je fais jamais se mettre du cachant plus pâle. Je vais y aller avec le 4N qui est plus la couleur de ma peau. Puis je vais l'appliquer partout. Parce que j'ai l'impression que vu que j'avais mis un cachant plus pâle en dessous de mes yeux, dans tous les cas c'était pas comme d'habitude, donc j'avais comme de la misère à juger si j'aimais ça ou non. Mais sinon j'aime full l'emballage, j'aime l'application, la texture était quand même nice. Je trouve encore qu'il fait super beau. Je vais aller faire quelques autres étapes, puis je vous reviens quand c'est le temps d'appliquer ça. Fait que j'ai testé mon maquillage. Ah! J'allais dire, je sais pas pourquoi l'éclairage est beau, c'est parce que j'ai allumé le miroir. Mais là, ça vous fait des lignes. Fait qu'on ferme le miroir, l'éclairage va être dégueu, mais c'est pas grave. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Je fais-tu un petit wing bien normal, puis au pire après? Ah! Je pourrais faire un petit genre coin interne, pointu, puis un petit coin externe, mais genre rien au milieu. Vendu. Je pense que ça serait beau. Fait que c'est des liners, genre c'est comme un peu de la poudre là, mais tu mets de l'eau puis ça l'active. Fait que j'ai juste pris un petit peu de mon liner, là je vois rien de ce que je fais. Ah ouais, je suis tellement pas habituée de travailler avec ce genre de pinceau là. Je sais pas à quel point vous voyez, mais là j'ai fait un petit coin. Mais c'est comme pas autant pigmenté que j'aimerais. Je vais vous zoomer. C'est vraiment bizarre parce que j'avais essayé le bleu pis c'était full beau. Mais comme là, lui, il est pas opaque pis pourtant, il y a pas tant d'eau là dans ma palette. Genre, c'est vraiment pas si liquide que ça. Ça, c'est mon meilleur truc du monde, là. Prenez une base pour les yeux. Un pinceau en angle. Venez juste clean up votre eyeliner. Ça vient comme démaquiller, mais sans tout défaire. Ah, mais non, en fait, c'est peut-être qu'il y a pas assez d'eau. Ok, super. Je disais que c'était trop liquide, mais en fait, c'était trop sec. J'ai comme envie qu'ils soient un peu plus épais, mettons pas autant allongés que je le ferais d'habitude. Je pense que je suis relativement satisfaite. C'est toujours plus beau avec un mascara aussi, fait que je vais faire l'autre œil, puis je vous reviens. Ok, j'ai fait les deux yeux, puis finalement c'est ça, c'est juste que c'était pas assez mouillé, parce que là il est bien mouillé, puis ça l'a super bien été, là ça a été full rapide. Je trouve ça vraiment cute, surtout comme quand je me regarde... Ah, oh, bien. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment beau. Ça a bien été. Je trouve ça encore plus beau quand je me regarde dans le miroir là. Puis je sais que ça va être encore plus beau avec du mascara, puis aussi quand j'ai détaché mes cheveux. L'éclairage est tellement bizarre, mais je monte en lumière naturelle. J'aime full ça! Je trouve ça vraiment beau! Vraiment contente d'avoir testé ça, ma petite palette. Je suis satisfaite de mon achat. Et là, je crois que c'est le temps pour moi d'aller à l'épicerie. Fait que je vais vous emmener, je vais vlogger un petit peu avec mon sel probablement. Oh, ça doit faire une demi-heure que je procrastine d'aller à l'épicerie, mais là, faut que j'y aille parce que j'ai d'autres choses à faire. Fait que je monte mon outfit vraiment confo. J'ai mes souliers blancs comme d'hab. Faut vraiment que je me rajoute des nouveaux en passant. Fait que si vous avez des recommandations de beaux souliers blancs avec une petite touche de beige, là, j'aimerais full ça. Après ça, j'ai mes pantalons Effortless de Arisia qui sont genre crème. Puis là, j'avais une belle petite camisole en dessous, ok, comme ça, tu sais, celle qui a juste une épaule, là, vous l'avez déjà vue. Mais le problème, c'est que là, je vais vous raconter une histoire. Ces pantalons-là sont légèrement transparents, genre, je peux pas mettre des bobettes noires parce qu'on les voit. Là, j'avais plus de bobettes beige qui paraissent pas. Fait que là, on voit ma ligne de bobettes. Illégal. Donc là, j'ai dû mettre quelque chose de long pour cacher ça. Donc j'ai choisi cette chemise du H&M qui est vraiment oversize. Mais là, ça faisait bizarre parce que j'avais une camisole beige, un pantalon crème et un truc blanc froid. Fait que là, je l'ai attaché puis ça donne ça. J'aime quand même le look, finalement. Ensuite, j'ai ma sacoche S5 que j'adore. Ça fit pas tant avec le vibe, mais comme je m'en vais juste à l'épicerie puis elle est fun à traîner. J'aime ça la mettre de même, je trouve qu'elle est confo. Puis tout rentre dedans. Fait que je l'aime. Puis, si on se rapproche, j'ai mis une belle petite boucle d'oreille de 20 Compass que j'aime full avec la petite perle. Puis j'aime la forme puis tout. Puis bien sûr, là, on voit absolument rien finalement, mais mon beau maquillage. Donc, juste prête à aller à l'épicerie. Souhaitez-moi bonne chance. On est dimanche, puis il est genre 10h30. Mon truc quand je fais l'épicerie tout seul, c'est que j'aime tout le temps les écouteurs, puis j'écoute un podcast. Parce que sinon, je trouve ça vraiment plate. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes plus du genre je fais deux voyages pastello ou vous êtes du genre je fais un voyage de paresseux? Parce que moi je suis définitivement du genre voyage de paresseux. Oh my god! J'étais ben trop habillée. J'ai chaud là!
Là, j'ai offert un haul de mon épicerie. Ça vous intéresse-t-il? Ça m'a coûté 100$, ce qui est pas cher à comparer d'habitude, mais j'ai peut-être un peu moins de stock. Ouf, fait que je vous montre. Des bananes, un pain au raisin, c'est-à-dire mon déjeuner préféré. Deux bagels, un pain normal, un latte à la vanille Starbucks pour mon chum, un purificateur d'air parce que notre genre de portique, ça sent tout le temps bizarre vu qu'il n'y a pas d'aération, lessive fraîche, lait de coco, beurre tendre pour mon chum, bouillon de légumes, nettoyant pour la vaisselle, canne de thon pour mon chum, ficello pour mon chum, fromage pour mon chum, un sac. J'ai pris des Kleenex, des Ziploc, la salade, un brocoli qui s'est cassé, poire, un cantaloup, une courge de butternut, gingembre, nouilles udon, patates, des triscuits, champignons shiitake, bartan pour mon chum, des petites menthes, radis, pâte au rabais à 99 sous, clémentine, lentilles, compote pour mon chum et pudding pour mon chum. Voilà mon haul d'épicerie! Fait que je vais tout ranger seul. Cette foutue armoire, je vous jure, je la ramasse chaque semaine. Chaque semaine, quand je fais l'épicerie, je fais le ménage dedans, je place tout, je rentre tout. Là, j'arrive à la semaine prochaine, c'est tout le temps le bordel. Mais il faut dire que c'est notre seule armoire, j'en garde manger, ok? Puis moi, je cuisine beaucoup, là, fait on manque de place. Il est temps qu'on déménage. Ah, bon, ok, je vais la ranger, puis après ça, je vais pouvoir mettre mes choses. Checker TikTok. Puis là, on dirait que vu que j'ai comme pas vraiment de projet, parce que finalement, je n'irai pas chez mes parents, ils sont occupés. Mais vu que j'ai pas vraiment de projet, on dirait que j'ai juste le goût de rien faire. Mais en même temps, je veux pas rien faire parce que là, je me sens coupable quand je fais rien. Mais il y a deux commissions que j'aimerais vraiment faire. Premièrement, j'aimerais ça aller. Ben, j'aimerais ça. Il faut que j'aille au Canadian Tire acheter des coupes à champagne en plastique. C'est pour un truc pour mon travail. Fait qu'il faudrait vraiment que j'aille acheter ça. Ce serait un bon moment pour le faire vu que j'ai pas d'autres choses à faire. Mais aller au Canadian Tire un dimanche après-midi, je sais pas si c'est le mood. Comme je sais pas s'il y a beaucoup de monde, ça me tente pas de kiffer le monde. Bref. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais ça aller à la bibliothèque. Quand on a déménagé ici, il y a genre 3-4 ans, j'étais allée m'inscrire, puis je louais des livres, j'aimais full ça. Mais là, depuis la pandémie, je suis pas retournée, fait que ma carte est expirée. Puis dernièrement, j'ai vraiment recommencé à lire avant de me coucher, juste parce que c'est mieux que de regarder mon cell. Sinon, je regarde juste mon cell toute la journée parce que je travaille sur mon cell. Puis après ça, je check mon cell le soir, fait que c'est juste trop de cell. Donc j'aime ça le mettre de côté avant de me coucher, puis lire un livre. L'affaire avec ça, c'est que je lis extrêmement vite. J'ai toujours été comme ça. Moi, un livre, là, je peux te lire ça en une journée, pas de problème. Mais même là, comme celui que j'ai en ce moment, j'essaie vraiment de l'étirer, mais il va m'avoir duré, je pense, une semaine, puis j'ai pas été là pendant 3 jours. Ça revient cher à un moment donné de toujours acheter des livres quand je lis aussi vite, puis aussi ça prend de la place. Je veux pas les donner parce qu'ils m'ont coûté cher. Mais en même temps, mais comme ça s'accumule surtout dans notre appart, qu'on a pas vraiment de place. En tout cas, gros dilemme, tout ça pour vous dire que j'aimerais ça aller à la bibliothèque, me réinscrire, puis après ça, comme ça, je vais pouvoir louer des livres, puis lire autant que je veux, puis ça me coûtera rien. Donc, je pense que ça va être mon projet pour là. Il est juste 1 heure, donc genre le temps en masse de faire ces 2 commissions-là. Puis, quand je vais revenir, je vais probablement me mettre sur le montage du vlog pour monter ce qui a déjà été filmé, puis je vais sûrement le terminer ce soir. C'était une bonne idée de vous en parler, parce que là, on dirait que je viens de faire mon plan de match, puis là, je suis comme, ok, c'est beau, let's go, Adrienne, on passe, on va faire des commissions. À place de tantôt que j'étais juste assis à checker TikTok pis à rien faire pis j'avais pas le goût de rien faire, mais là on dirait vu que je vous en ai parlé, comme ah oui c'est une bonne idée, on va aller faire ça. Ok, on va aller faire ça! Ok, je suis au Canadian Tire, ça dit qu'il reste 4 paquets de ce que je veux, les coupes là, dans la rangée 35. Donc on va aller voir ça! Hey, le ciel il est donc bien beau! Ben avez-vous vu ça? Un genre de truc pour mettre ton sel flexible avec un ring light à 15$. Est-ce que je la jette? Où est la foutue rangée 35? Clairement, je suis pas dans le bon coin parce que ça s'en va dans l'autre sens. 63-49. Oh my god, j'ai trouvé! C'est dans le Party City! Oh, là je vois des coupes, je vois des coupes, je pense que j'ai trouvé. C'est un miracle, il reste un paquet de ce que je voulais. C'est exactement ce que je veux. Par contre, je sais pas ça, je pense que c'est trop impulsif mon achat là. Faut que je m'en sinon je vais tout acheter. On s'en va payer mes coupes que j'ai trouvées. Je sais pas si vous êtes du même avec moi, là, mais moi les caisses libre-service, j'aime tellement ça. C'est rapide, tu fais tes affaires tout seul. Ça va bien. C'est une question, tu demandes à la personne qui est là. Il passe 10 personnes dans le temps d'en passer une aux autres caisses. J'adore, je suis une femme.
De retour à la maison avec mes deux commissions, mes coupes en plastique et mon livre. Et là, je suis vraiment contente d'être sortie parce qu'en fait, ça me redonne un boost d'énergie. Là, j'ai le goût de faire quelque chose. Puis, mon chum, il s'en vient, il a fini de travailler et il joue au deck hockey cet après-midi. Fait que je vais peut-être aller le voir. Mais là, je vais vous parler d'un struggle d'aller à la bibliothèque. Je suis pas capable de trouver un livre, on dirait, quand j'ai à la bibliothèque. Il y a tellement de choix. Mais c'est pas placé d'une. Tu sais, vu que c'est en ordre alphabétique, c'est comme pas plaisant pour l'œil. Fait que là, on dirait que. Il y a rien qui m'attire, je sais pas où chercher, enfin, en tout cas bref, j'ai pris lui parce que là ça faisait comme 20 minutes que j'étais là. J'étais comme j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai pris ça. Antoine Filiciadis, c'est un thriller psychologique, ça s'appelle D'où viens-tu? Puis dans le fond c'est comme un enfant de quelqu'un qui se fait enlever, je me dis que ça serait bien bon. Puis avant ce que je faisais c'est que j'allais premièrement sur internet faire des recherches de livres qui m'intéressaient. Ou là l'autre jour j'avais demandé sur Instagram des recommandations, fait que je vais prendre ça. Puis j'allais sur le site de la bibliothèque, puis j'ai faisais mettre de côté. Fait comme ça, j'ai pas besoin de fouiller partout. Puis au pire, s'ils sont pas dispo, ben je fais juste les réserver. Fait que c'est ça que je vais faire. Mais là, j'étais comme, je suis allée jusque-là, m'a pas juste renouvelé ma carte, m'en prendre un. Fait que j'ai trouvé lui. Oh mon dieu, en plus, c'est écrit full gros. Je vais aller ça en 2 secondes. Update! Finalement, ça me tentait pas d'aller au deck hockey. J'avais le goût de rester chez nous. Puis à ce temps-là, je sais qu'il y a eu tous les enfants du monde qui auraient couru autour de moi. Puis ça me tentait pas. Là, j'ai fait un Q&A sur Instagram. Puis à la place, je réponds à ça. Puis je fais ça bien cute, bien fun. Puis là, j'ai goûté une petite collation. Il est 3h30. Fait que je vais regarder ce que j'ai. Il me reste 2 miettes de boursin et 2 miettes de biscuits. Je vais manger ça. Et voilà, gros snack. Là, je vous annonce une grande nouvelle. Je vais sauter le pas et je vais m'acheter Final Cut Pro. Parce que en ce moment, je fais mon montage avec iMovie. Que ce soit du montage pour le vlog, que ce soit du montage pour des reels, pour des TikTok, je fais tout ça avec iMovie et ça va tellement mal. Genre, c'est bien correct si tu veux faire des petites vidéos, genre, dans ce sens-là, full simple, mais pour ce que moi je veux faire, ça va vraiment pas bien. Fait que je vais investir, je vais m'acheter par mon code. Ça va juste tellement m'économiser de temps que je pense que ça vaut la peine. Faut que je vois comme plus sur le long terme. Je vais m'acheter ça live! Oh my god! Je l'ai acheté! Je l'ai acheté! Je suis vraiment contente. Je viens de finir le montage du vlog, puis là, je me suis rendu compte que je l'avais pas terminé, donc je le termine à l'instant. Un gros merci d'avoir écouté, il était un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous, donnez-moi un petit like, puis on se revoit très bientôt! Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you.